afin qu'il quitte l'autre. Attendez que Ra ait quitté la terre de Farn. Allumez votre canoun et préparez trois bougies, une rouge, une noire, une jaune. Prenez un morceau de fil de fer ou de cuivre que vous faites rougir au feu, et avec ce fil de fer rougi, percez quatre trous dans chaque bougie. Ces trous doivent coïncider entre eux à égale distance. Prenez quatre tiges en bois que vous enfoncerez dans les trous, afin que les bougies soient reliées ainsi entre elles, dans l'ordre suivant, rouge, noir et jaune. Dites votre incantation que vous avez écrite. Allumez les trois bougies en même temps. Il faut qu'elles restent liées entre elles. Laissez-les se consumer jusqu'au premier bâtonnet et alors les éteindre. Récupérez ce qui reste du premier bâtonnet et conservez-le précieusement. Chaque nuit, vous répéterez ce rituel en laissant se consumer les bougies jusqu'au bâtonnet suivant et en récupérant toujours le reste du bâtonnet. Si à la fin de votre rituel, il vous reste de la bougie qui n'est pas encore complètement consumée, récupérez ce reste avec ceux du dernier bâtonnet et rassemblez tous les restes avec ceux des bâtonnets des jours précédents. Mettez le tout dans un linge blanc. Et enterrez-le de nuit. Dès que vous aurez obtenu satisfaction, parce que votre vœu aurait été exaucé, le soir même, prenez trois œufs et jetez-les dans l'eau en remerciant Hathor. Le galant quittera la belle s'en reviendra vers vous, comme un chien retourne à son maître. Dans votre victoire, sachez accorder le pardon.